Coucou les amis, c'est Crime, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de l'Apocalypse Challenge. Donc, depuis 4 épisodes, on tourne un petit peu en rond. Les promos, ça s'enchaîne et on est toujours, toujours, toujours à la recherche d'un PNJ qui ne vient jamais. Je pense qu'il va atteindre le niveau 10 de sa carrière avant d'avoir une femme, cet homme-là. C'est vraiment problématique. Alors bon, c'est un problème un peu relatif dans le sens où c'est un homme, donc potentiellement, il peut faire des enfants même tard. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un game over. Et puis, ça me saoule d'aller tous les jours à Strangerville chercher un PNJ. Donc, j'aimerais bien qu'elle se pointe. Hein? Donc, je vais continuer de faire mes rondes tous les jours à Strangerville. Hein? De toute façon, j'ai que ça à faire de ma vie. Et puis, en attendant, on va continuer à progresser donc, dans sa carrière. Il est donc directeur adjoint, qui est donc le niveau 4 des affaires. On devrait logiquement avoir une promo aujourd'hui. Peut-être demain, si on n'arrive pas à faire des rapports. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait assez d'argent pour s'acheter un ordinateur demain. Je sais pas exactement combien ça coûte. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc, après vérification, le moins cher des ordinateurs est à 900 simflouz. Donc, s'il a sa promo, ça devrait le faire pour avoir un ordinateur. Sinon, bah tant pis, on achètera d'autres choses. Hein. Parce que vu qu'à chaque fois, après, nos revenus reviennent à zéro aux factures, autant acheter des choses. Bon, bah allez, on va aller le préparer pour le travail. Ouais, j'imagine que tout est pété. Allez, let's go, tu dormiras plus tard. C'est Bagdad. Allez, répare ça. Essaye d'aller au moins aux toilettes, s'il te plaît, avant de partir. Oui, c'est bon, tu y vas aux toilettes, tu y vas, tu y vas. Un petit coup de réparation sur l'évier, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Hop, niveau 4 de bricolage. Ouh, dis donc, on est en avance ce matin, c'est bien. Tu vas même pouvoir manger des fruits périmés et jouer un petit peu. Ah oui, donc bien sûr, la plante a débarqué. Il n'a pas pu se laver entièrement, c'est pas très grave. Alors, il m'énerve à pas pouvoir jouer. Ah, c'est juste. C'est toujours pareil, il est mal à l'aise. Vas-y, lis quelque chose. Oui, alors vous allez me dire, c'est un peu de ma faute. Je lui fais bouffer de la bouffe avariée et après, je me plains parce qu'il est mal à l'aise. Mais bon, quand même, hein. On va le faire lire un petit peu avant d'aller au travail. Allez, au boulot. Et tu me ramènes une promo, hein, mon gars. À défaut de trouver une femme, avance au moins dans ta carrière. Hein. Alors, promo ou notre promo? Ah, bah, notre promo. Hein. Ça, c'est ballot, ça. Bah, vu qu'on ne fait pas la tâche du jour, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Bah, oui. Bon, au moins, on pourra s'acheter un ordinateur, c'est cool. Et demain, on ne devrait pas du coup avoir de problème pour la promo. Tu peux jouer un peu ou tu peux... Non, tu peux pas. Tu peux lire? Vas-y, lis. Et moi, je vais chercher en ville. Donc, je n'ai bien entendu rien trouvé. On va lâcher le livre, on va se faire attaquer par les abeilles. Et on va aller faire un tour aux échecs. Puisqu'on a toujours, toujours besoin de bosser, pardon, notre logique. Alors, on avait une conversation l'autre fois en live. Est-ce qu'on pouvait mourir à cause des bestioles? Je croise les doigts pour que non, bien sûr. Alors, il faut que je vous explique un truc. Ils sont en train de tondre la pelouse en bas de chez moi. Sauf que moi, j'habite au rez-de-chaussée. Donc, clairement, chaque fois qu'ils passent devant mes fenêtres, je suis avec eux. Donc là, je suis en train d'enregistrer entre deux passages de tondeuse. Dès qu'elle se rapproche, je coupe. Dès qu'elle repart, je recommence. Je vous raconte pas comment cet enregistrement va être topissime. Moi, j'ai été faire un tour à Strangerville, mais c'est encore pas aujourd'hui. Qui trouvera l'âme sœur? Je sais pas, je pense qu'elle va à Strangerville quand je suis pas en train de surveiller ou qu'elle y va pas du tout, en fait. Je sais pas du tout comment faire. Bon, du coup, on va monter un petit peu son divertissement. Profitons-en, il y a une petite pause dans la tondeuse. Ils doivent changer. Je sais pas, ils doivent remettre du carburant ou je ne sais quoi. Je n'entends plus rien. Avec un peu de chance, ils ont fini. Marquée, elle en avait bien besoin, la pelouse. Enfin, c'est même pas de la pelouse, c'est des mauvaises herbes qu'il y a dedans chez moi. Mais bon, faut les tondre de temps en temps, sinon ça devient vite la forêt amazonienne. Hein. Ah, ils viennent de la rallumer. Bon, allez, pour l'instant, ils sont assez loin. On va faire comme si on l'entendait pas. Bon, allez, ça suffit. Sinon, tu vas être trop mal à l'aise pour gérer le reste. Utiliser. Enlever la végétation.
Et on va se laver les mains après. Ce qui est assez pénible en fait dans cette map, c'est qu'il n'y a jamais, jamais, jamais de PNJ qui passe devant la maison en fait. Ils sont tous au centre-ville. Donc on peut même pas rester à la baraque en attendant qu'ils se pointent, il faut aller les chercher. Et voilà, ceux qui me connaissent un peu savent que moi, quand je joue aux Sims, je suis très casanière. Mes Sims, ils sortent jamais de chez eux. Jamais. Juste pour aller au travail. Ils vont pas en ville, ils vont pas au spa, ils partent pas en vacances. Enfin voilà quoi. Et donc là, ça m'oblige à chaque fois à me barrer de la maison. Je déteste ça. Je déteste ça. Parce que quand on est une maniaque du contrôle, comme on aime pouvoir voir ses Sims H24. Voyez-vous? Et là, forcément, on peut pas. Donc, d'autant plus que je suis sûre que ça se trouve, la PNJ que je cherche passe de temps en temps et que je la loupe. Parce que je ne suis pas tout le temps à Strangerville, quoi. Bon, allez, lave-toi les mains. Et tu pourras manger des fruits avariés, dis donc. Comme ta vie est magnifique. Pas de femme, des fruits avariés et des plantes cheloues qui poussent dans ton évier. Mais la vie est belle, quoi. Et après, au dodo. Une bonne nuit de sommeil pour être paré pour la promo de demain. Allez hop, il est temps de se lever. Toutes les barres sont dans le vert. Magnifique. Magnifique. Ah oui. Alors, les barres sont dans le vert. La maison, beaucoup, beaucoup moins, quand même. Hein. Comment te dire? Bon, allez. Ah, mais lève-toi, lève-toi. Oh là là. Feignant, on va. Et ça va être comme ça tous les matins de toute ta vie. Ah, je pense qu'on a des choses dans. Ouais, bah oui. Bon, on va attendre. Je vais attendre de finir qu'il est. Je vais attendre qu'il ait fini de réparer, pardon. Et puis. Pendant qu'il sera au travail, on va ranger ça. Allez, vas-y, tu peux le faire, mon grand. Eh bien, allez, nettoie. Attends, on va avoir un stock de machins de réparation le jour où on pourra les récupérer et les vendre. À se faire une fortune, hein. Je vais pas le faire manger parce que ça va lui mettre un mauvais moodlet alors que de toutes les façons il va manger un petit peu au travail. On va juste lui faire un petit peu nettoyer la baraque. Et au travail pour la nouvelle promo, comme ça dimanche, on pourra acheter un bureau, un ordinateur et j'aimerais bien lui acheter aussi un tapis de yoga. Parce que comme il est actif, faire du sport, ça lui montrait son divertissement, puis c'est pas mal. Allez, dépêche-toi, t'as bientôt le travail. Tiens, non, pas lire, non, pas lire. Enfin, tu peux, mais je voulais que tu ranges les livres. J'ai cru qu'il avait oublié une flaque. Ah, t'as laissé un livre en haut. Vas-y, laisse tomber, va au boulot. Va au boulot, va. Il y a des priorités dans la vie, et aller au travail pour avoir une promo en est une. Du coup, je suis pas sûre de lui mettre travailler dur, parce que sinon il va se prendre un moodlet tendu, alors que, enfin, clairement, on est pratiquement sûr d'avoir la promo. Allez, ça se tente. On va y aller en travaillant normalement. Ah, alors farce professionnelle. En ouvrant le tiroir de son bureau pour prendre son agrafeuse, Angelo se rend compte qu'un petit farceur l'a enduite de gelée. Se vengera-t-il avec une farce de son cru ou aura-t-il cherché une autre agrafeuse? Non, on va ignorer. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe et la meilleure des réponses, c'est l'indifférence. Moi, j'ai trop peur qu'il se prenne un truc et qu'il n'ait pas sa promo. Alors attention. Une petite promo avant le week-end et une petite promo pendant le week-end. On atteint le niveau 5 de la carrière. Bon, il a des trucs, on s'en fout. Ouais, interaction. Ok. Surtout, on a un petit peu d'argent. On va pouvoir faire des courses dimanche. On va pouvoir faire des courses. On va aller faire un petit tour en ville. Hein? Je vous en pensais. Il en est où, lui? Enfin, lui va rester à la maison. Il va manger, il va se laver les mains et moi je vais aller faire un petit tour en ville hein, parce que de toute façon ça sert à rien que je le déplace pour rien à chaque fois. Voilà, allez je laisse faire tout ça et moi je vais en ville. Bon, j'ai encore fait chou blanc hein, comme d'hab, donc on va le laisser faire ses tâches ménagères. Bon du coup pour la promo j'ai pas regardé. Ah il va falloir qu'il aille en ville, bon de toutes les façons je pense qu'il ira en ville demain, hein, c'est le week-end, pour monter le charisme. Oui alors ça commence à... Ah oui, chaque fois. Chaque fois, il bouffe avarié. Chaque fois, je l'envoie faire des échecs. Chaque fois, il dit non. Chaque fois, je demande pourquoi il dit non. Et chaque fois, je dis, ah oui, c'est parce qu'il a mangé avarié. Un jour, ça, voilà, ça va rentrer. Hein. Faut, je sais pas quand exactement, mais un jour, je...
ça percutera à l'intérieur du cerveau. Du coup, c'est quoi le mot de lettre? Qu'est-ce que c'est classe? Et si, il peut pas vomir comme ça, après il se sent mieux? Si, regarde, attends, va essayer. Va vomir. Alors, je sais pas si après, vraiment, il se sentira mieux. Mais ça se tente, non? Allez, va vomir. Eh! Eh ben voilà! Ça fait pas du tout anorexique, ça. Tu manges et tu vomis. Et tu te sens bien. Voilà. Écoutez, on va dire que c'est le jeu qui veut ça, hein. Eh ben nickel. Nickel, nickel. Quoi qu'il est plutôt en forme, je l'enverrai bien en ville, là, maintenant, tout de suite, pour monter son charisme. On va faire ça, tiens. Donc, du coup, on va aller en ville essayer de trouver quelqu'un. On va pas s'enquiquiner, hein. Je regarde juste s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas... on va parler au premier qui veut bien lui parler, hein, genre toi, Axel, Kibou. Tu vas être marié avec Akiru, très certainement. Allez, on y va. Voilà, on est arrivé, on va parler à la demoiselle. Hein. Bonjour, comment ça va, la famille, tout ça. Il faut qu'on monte notre charisme, mine de rien. Allez. Voilà, elle est contente. On va bientôt y être, dis donc. Non, 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 non. Mais reste là, c'est bon, on n'a pas fini, oh oui. Attends, t'en vois beaucoup des mecs le soir à 22h. Ouais, c'est un peu chelou. Des mecs à 22h qui t'abordent juste pour te faire des compliments. Je comprends qu'effectivement, ça soit un petit peu... Bon, je comprends que tu t'en ailles, effectivement. Ça peut être malheur. Ça peut porter à confusion. Allez, vas-y, il manque pas grand-chose. On est à 96%. Encore un petit coup de flatterie totalement désintéressée. Faut qu'on se trouve une femme, hein, pour pouvoir faire ça à sa femme. Franchement, ce serait plus simple. Hein. Bon, ben, ouais, on pourrait faire avec toi, parce que l'autre, elle est pas réceptive. Je me mets là, je trouve que la vue est plus dégagée pour trouver... voir passer des PNJ. Allez, on va rentrer à la maison. Pendant qu'il jouera, moi, je vais retourner faire un tour en ville. Et puis après, il ira au dodo, quoi, parce qu'il est fatigué et que demain, c'est le week-end et qu'on va repartir pour un week-end de recherche et d'essayer d'avancer un peu dans le charisme aussi. J'y crois même plus, en fait, si vous voulez. Allez, vas-y, lâche les échecs et va au lit. Moi, ça nous aura permis d'éviter les abeilles. Donc voilà, on est le petit matin, c'est la journée des pirates. Et on va essayer, comme d'hab, de trouver... Bah, de trouver quelqu'un à séduire. Hein. Je suis totalement, totalement désespérée. Je me dis qu'en fait, je vais finir par prendre le premier PNJ qui passe à faire des enfants vilains. Et moi, j'aime pas les enfants vilains. Donc, alors, on va faire la technique habituelle. Hein. Manger, vomir, se sentir bien. j'aime l'image que véhicule ce jeu. J'aime le côté positif de l'enchaînement des actions. Oui, oui, tu as envie de faire pipi. Bah écoute, estime-toi heureux. Déjà, personne n'a rien cassé dans la nuit. Il n'y a pas de plantes, alors. Oh, mais bordel, les abeilles, c'est pas possible. Oh, tiens, j'ai le douche au miel ou quoi? Allez, je laisse là 2 minutes. Moi, je vais aller voir en ville ce qui se passe. Ou plutôt ce qui se passe pas, en général. Hein, c'est plutôt ça. Hein. Voilà, voilà. Bon, alors. Bah écoute, puisque t'es bien, tu vas jouer. Du coup, pour la promo, on a dit que c'était bon. On a dit que demain, on a acheté un ordinateur, un bureau et si possible, un tapis de yoga. Écoutez-moi, toutes les heures, je vais aller faire ma tournée dans Strangerville. Et puis voilà, quoi. Heureusement que je fais du montage parce que sinon, qu'est-ce que vous feriez chier à voir passer toute la ville en revue comme ça? Bon, pendant qu'il est occupé à jouer, moi, je retourne en ville. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais le couper. Oui, Marina. Non, je peux pas te rendre visite. Passe à la maison si tu veux. Ah, et puis il y a ça aussi. Si je croise la PNJ, il faut que j'arrive à la garder assez longtemps
pour que notre relation soit à un niveau assez élevé pour pouvoir la faire emménager tout de suite, quoi. Je vous jure que si je la croise, je la laisse plus jamais repartir. Je la séquestre dans la cave. Et je m'en fous qu'il n'y ait pas de cave. Je trouverai une solution. Du coup, là, on est bien. On a dit qu'on était bien. Demain, on va bosser les rapports. Ça devrait aller encore plus vite pour les promos, même si franchement, on n'a pas à se plaindre. Hein. Demain, on va aller faire quelques achats. Ça va faire du bien. Il fait quoi? Toujours, il apprend la logique. Ok, on va le laisser. On va aller en ville. Encore une fois. Allez, je reviens. Je vais faire ma tournée habituelle. 999. Ouais, j'ai hâte d'avoir une femme, de faire des bébés, d'avancer un peu dans le challenge, quoi, bordel. Parce que là, c'est sûr. Marqué, c'est bien. Au moins, quand les enfants seront là, on pourra se consacrer entièrement à sa femme et ses enfants. Parce que lui, clairement, on n'aura plus besoin de s'occuper de lui. Il aura déjà 10. Il aura déjà eu sa promo. Il sera 10 dans son job et tout. La classe. Le mec, il va être tellement calé en logique, je vous jure, c'est une calculatrice, quoi. C'est qui, celle-là? Eh, elle est pas mal, non? Elle est pas très bien maquillée. Avec elle, là, bon, elle est conspirationniste, elle est maquillée à la truelle, mais... Mais est-ce qu'on est à ça près, les gens? J'ai envie de vous dire, c'est un apocalypse, hein. On bouffe des fruits périmés, on se fait attaquer par des abeilles, et on passe notre vie à se débarrasser de plantes nocives dans les toilettes. Donc, j'ai envie de vous dire, on n'est pas à ça près. On n'est pas à une phase de trouelle près. Allez, vas-y, cours, Forest, avant qu'elle s'en aille, là. Moi, tu veux pas courir un peu, là? Regarde-moi cette démarche de dépressif, là. Ah, puis elle est chauve, en plus. Bon, vous savez que j'ai pas le droit de les relooker. Bon, allez, on va essayer de, voilà, complimenter la tenue... Que j'ai l'impression de tourner toujours la même vidéo depuis 5 épisodes. J'ai l'impression de tourner la même vidéo, si ce n'est qu'à chaque épisode, il prend un petit peu de grade au boulot, quoi. Mais c'est à peu près tout. Allez, hop. Tu fais pipi, tu te laves les mains et tu vas te coucher. Ça sera la fin de cet épisode. On va peut-être... j'ai peut-être acheté les meubles d'abord avant de finir l'épisode, quand même. Histoire de finir sur un peu une note positive, quelque chose de bien, hein. Quelque chose qu'on peut faire, qui fonctionne. Nous sommes donc dimanche. Et nous allons donc faire du shopping. Voilà, il va pouvoir faire du sport, cet homme-là. Il va pouvoir bosser un petit peu au niveau de son boulot et faire du sport. Bon, bah écoutez les amis, on se laisse un petit peu sur cette demi-échec. Mais bon, je pense que je vais arrêter de me prendre la tête. Je pense qu'on va se focaliser sur sa carrière, on a le temps. C'est un homme, même une fois personne âgée, il pourra toujours faire des enfants. Donc on va se focaliser sur sa carrière, sur ses compétences. Et moi, de mon côté, régulièrement, j'irai faire des tours en ville. Et on finira bien par tomber sur cette PNJ. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour juste avant de partir quand même, histoire de... Bon, bah voilà. Non, il n'y a personne. C'était un petit coup au cas où. Mais bien entendu, il n'y a personne. Ah oui, du coup, il s'est relevé. Donc, je le renvoie se coucher. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Donc, pareil, on continuera à se focus sur sa carrière. Et puis, advienne que pourra, si un jour on lui trouve une femme, il sera bien assez temps au dernier moment de se rabattre sur la première qui passe et de lui faire un môme. En passant, voilà, gros bisous à tous et on se retrouve pour le prochain épisode les amis, ciao !